Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Question-réponse 33, je crois. Alors, ça se mélange un petit peu au niveau des questions. Je vais essayer de répondre tant que je peux. Alors, on me demande, est-ce qu'on se dirige vers une dictature? On y est déjà. Je comprends pas la question, en fait. Je sais pas, vous avez l'impression que vous êtes libre encore? Vous avez encore beaucoup de liberté? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez perdu en France en moins de 10 ans? Mais allez, on va dire en 15 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que depuis qu'on est passé à l'euro, de tout ce que vous avez perdu en pouvoir d'achat? Faites des comparatifs avec le coût des aliments simples, du beurre, du lait, du pain, avec l'avant-euro. Et maintenant, vous allez voir ce que vous avez perdu. Après, au niveau des libertés, c'est terrible. C'est les libertés individuelles, même les libertés simples. Alors, moi, je suis pas fumeur et sincèrement, les fumeurs m'ont toujours cassé les pieds pour être poli. Étant donné que moi, je suis chanteur de métier et que j'ai toujours chanté dans des endroits enfumés et que ça m'a détruit la santé pendant des années. Mais toutefois, je considère qu'il est normal que chacun ait le droit de faire ce qu'il veut, notamment chez lui, pas dans les lieux publics. Et regardez les libertés que vous avez perdues, ne serait-ce que ça. Bon, alors après, si vous avez envie de vous détruire la santé avec la fumée, ça vous regarde, hein. Mais bon, rien que ça, je trouve pas ça normal. Je trouve que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il devrait exister des restaurants fumeurs et des restaurants non fumeurs, point final. Niveau de l'alcool, au niveau du vin, au niveau de plein de choses. Après, la généralisation comment dire, des contrôleurs de vitesse, qu'on appelle ça des radars, etc. Maintenant, on va vous mettre des radars dans des voitures banalisées, etc., pour gagner du pognon. Enfin, c'est de pire en pire, et puis maintenant, la répression est de plus en plus dure, et les peines de prison, les condamnations sont de plus en plus dures également. Nous sommes dans un pays où la justice est de plus en plus corrompue par le gouvernement, et de moins en moins autonome. C'est extrêmement grave. Quand un pays n'a plus de justice autonome, c'est un pays qui est en train de devenir tout sauf un pays démocratique. Hein. On a une justice à deux vitesses, on a une justice qui n'hésite pas à condamner à des peines de prison fermes, fermes, des journalistes pour avoir défendu des thèses ou avoir tenu des propos écrits dans des journaux qui vont contre le système. C'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que je crois que la France aujourd'hui est reléguée au 40e rang des pays où la presse a le plus de. Où la presse a de la liberté. On est au 40e rang mondial. Je crois que c'est. On est même après ou derrière le Venezuela. Enfin, je ne sais pas si. On est en train de devenir la risée du monde libre. On est en train de devenir l'ombre, l'ersatz de ce qu'était la France. On est en train de devenir une anti-France. Toutes les valeurs françaises sont en train de s'inverser, et ça c'est clairement satanique, hein, quand on commence à inverser les valeurs d'un pays. Un pays qui était chrétien de culture, et non pas judéo-chrétien, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, on n'a jamais été de culture judaïque, jamais. On est de culture romaine, culture grecque, hein, on est des descendants de la culture gréco-romaine, latine. En aucun cas nous sommes des descendants d'une culture judaïque. C'est pas parce que Jésus est né en Palestine que Jésus nous a apporté des valeurs judaïques, pas du tout. D'ailleurs, il était lui-même venu pour, je tiens à le rappeler, réformer les écrits de l'Ancien Testament. Ça n'a pas plu à une petite élite, hein, une petite élite de juifs fanatiques, et ce sont cette petite élite de juifs fanatiques qui l'ont foutu sur la croix. Je dois rappeler quand même les choses. Et qui se sont permis de dire derrière que la France est un pays de patrimoine judéo-chrétien, ce qui est totalement faux. Hein. Ce n'est absolument pas un pays d'origine judaïque. Pas du tout. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la France est en train de couler, parce que la chrétienté de la France a également coulé, parce que cette laïcité qui a été mise en place nous a menés à une autre judaïsation de la France avec le sionisme aujourd'hui, et on le voit très bien incarné dans ce gouvernement, et on le voit très bien surtout chez Manuel Valls, hein, qui nous casse vraiment les bonbons, il faut quand même le dire, et je le dis, hein, il nous casse mais particulièrement les bonbons avec ça, vraiment. Le sionisme, c'est pas l'antisémitisme, pas du tout. Voilà. Ça reviendrait à dire que être contre Donald Trump ou contre George Bush, c'est être antichrétien. Ça n'a rien à voir avec la semoule. Rien à voir.
Rien. On n'aime pas la politique d'Israël, on n'aime pas l'idéal talmudo-sioniste qui est de vouloir s'emparer de toute une région du monde et de vouloir instaurer la toute-puissance du peuple d'Israël. On n'aime pas cet idéal-là, et c'est pas pour ça qu'on est antisémite. Ça n'a rien à voir, rien à voir. On n'a pas envie que les Israéliens tuent les Palestiniens, et c'est pas pour ça qu'on est antisémite. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où la France est en train de couler. La France coule, est en train de disparaître petit à petit, parce que nous avons dans notre pays une élite qui est à la botte d'un idéal qui n'est pas un idéal chrétien, ni un idéal, ni un idéal musulman, hein, croyez pas ça. Ceux qui croient que la France se fait musulmaniser ou islamiser se trompent. C'est en apparence ce que vous voyez là. Il n'y aura pas d'islamisation de la France. Moi, j'y crois pas. Hein. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une élite qui a tout à fait intérêt à ce que l'on pense ça et à ce que les islamistes ou ce que les musulmans s'affrontent avec les chrétiens ou avec les Français de souche qui sont de culture chrétienne, mais qui ne sont plus vraiment chrétiens, puisqu'il n'y a plus vraiment de chrétienté en France depuis un bail. Déjà maintenant, les églises, maintenant, on les détruit. Donc, on les détruit pour construire des parkings et je ne sais quoi, donc on devient complètement fou. On est en train de détruire ce pays par ses bases qui sont sa culture, son passé, son histoire. Et à la place, on essaie de vous faire croire qu'on remplace ça par l'islam, ce qui est totalement faux, c'est pas vrai. Moi, je ne vois pas comme ça. Je ne dis pas qu'il y a pas un problème avec une certaine catégorie de musulmans en France, je ne dis pas l'inverse, ou en tout cas de gens qui sont d'origine culturelle musulmane, je ne dis pas l'inverse, il y a des problèmes. Mais il n'y a pas d'islamisation de la France, je n'y crois pas une seule seconde. Et de toute façon, s'il y en avait une, ça serait encore une fois manipulé par les mêmes personnes, c'est-à-dire ceux qui manipulent Manuel Valls. Ça fait leur intérêt, ça fait leur jeu. Parce que quand on sera tous bien énervés contre l'islam et qu'on tapera tous sur la gueule des musulmans, ça fera le jeu de qui, croyez-vous? Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça. Ensuite, donc je disais que cette justice totalement corrompue par ce gouvernement Valls, toujours le même, lui-même corrompu par, à vous de voir, cette justice est totalement elle-même corrompue aujourd'hui. On a un Boris Lelay, qui est un journaliste justement qui contestait l'islamisation de la France, vient de se prendre 2 ans de prison ferme. 2 ans de prison ferme. Pourquoi pas Éric Zemmour? Je ne sais pas. Pourquoi lui, il a pris 2 ans de prison ferme et pas Éric Zemmour? Ça, on ne sait pas. Sachez que pour prendre 2 ans de prison ferme aux États-Unis, un journaliste qui s'appelle Matthew Case a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir piraté le LA Times, c'est-à-dire un journal, hein, je crois. Il a aidé Anonymous à pirater un journal, et il a pris 2 ans ferme. Là, il s'agit de piratage. Le gars a pris 2 ans ferme pour ça. En France, juste pour avoir dit qu'il contestait l'islamisation de la France, Boris Lelay a pris 2 ans ferme. En Turquie, on a condamné 2 ans ferme, deux journalistes turcs, parce qu'ils se sont permis d'être impliqués dans l'opposition du gouvernement actuel. Donc à la limite, bon, c'est la Turquie. On se dit c'est exagéré, c'est pas un pays démocratique, donc 2 ans ferme c'est normal. Mais non, en France on vient de mettre un journaliste qui simplement dit son opinion, il a le droit de dire ce qu'il veut après tout, ça fait pas de lui. Enfin bon. Même s'il a des propos racistes, eh ben il a pris 2 ans ferme. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Je trouve que c'est d'une gravité sans nom. Je trouve ça scandaleux. Voilà. Franchement, j'ai honte. J'ai vraiment honte de cette France. Mais particulièrement. Hein. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Alors, on voit la répression policière aujourd'hui contre ce mouvement Nuit Debout. Il y a des casseurs, bien entendu, dans tout ça. Vous savez ce que je pense de ce mouvement Nuit Debout d'extrême gauche et qui de toute façon n'ira nulle part. Je pense qu'il y a une grosse partie de manipulation, encore une fois, comme tout ce qui vient de l'extrême gauche, tout est manipulé par le gouvernement socialiste. Dans le tas, il y a des casseurs. Parmi les casseurs, il y a aussi des gens de la police qui sont habillés en civil. On donne des consignes à la police de taper sur la gueule aux jeunes. Moi, je dis que tout ça, encore une fois, c'est fait exprès pour monter les Français les uns contre les autres.
Je pense que la police ferait quand même bien d'arrêter de suivre ce genre d'ordre et de laisser tomber et de se rallier du côté du peuple, j'ai déjà dit. Je pense que tant que le peuple français ne sera pas unifié contre ce gouvernement, il n'y aura pas de changement. Je pense que c'est sûr, aux prochaines élections présidentielles, on va faire le bilan de ce gouvernement-là et de ce président de pacotille, qui est une véritable honte, qui restera une honte absolue dans l'histoire de France, qui va même, en plus, paraît-il, probablement se représenter. Je ne suis même pas sûr qu'il fera, il fera pas 10%, c'est pas, je ne peux pas y croire. Mais vous allez voir que malgré ce bilan désastreux et cette destruction accélérée de la France, parce que là on assiste à une destruction accélérée de la France. Vous savez qu'on a, on atteint maintenant les 1000 milliards de taxes maintenant. On vous a taxé sur 2015, on a taxé les Français à hauteur de 1000 milliards d'euros. C'est un record absolu, hein. Plus de 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire pratiquement la moitié de ce qu'on doit, la moitié de notre dette. Si on avait utilisé tout cet argent à payer, au moins rembourser la moitié de la dette, on pourrait dire, bah écoutez, ils nous ont pris 1000 milliards, mais au moins on a remboursé la moitié de la dette, on n'en parle plus. On arrête cette loi, on arrête de payer les intérêts, on finit de rembourser cette saloperie de dette une fois pour toutes, et on redevient indépendant, et vous allez voir que la France, une fois qu'elle sera débarrassée de sa dette, elle va refleurir d'elle-même et elle va redevenir un très 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 grand pays, très rapidement. Mais non, c'est pas du tout ce qui va se passer. On vous a pris 1000 milliards pour payer un peu des intérêts, pour donner des milliards aux autres, donner des milliards à la Cour européenne ou à la Commission européenne pour qu'ils les distribuent eux-mêmes à d'autres pays. Vous n'en verrez pas la couleur. Tout ce que vous avez fait, c'est payer, cracher pour que le plan du Nouvel Ordre Mondial s'accélère, se mette en place. Vous voyez bien qu'il y a une accélération des choses. Vous voyez bien qu'il y a même une accélération et une montée de la tension, des tensions nationales. Vous voyez que les partis nationaux montent dans tous les pays d'Europe à cause de cette invasion qu'il y a de migrants, c'est-à-dire de clandestins, que la CIA a fait exprès de venir, a donné feu vert pour qu'ils rentrent en Europe. C'est la CIA qui dirige tout ça. Et vous allez voir que ces tensions vont monter, grimper. On va arriver à des affrontements intracommunautaires, intercommunautaires, et des affrontements avec les forces de l'ordre. Automatiquement, tôt ou tard, ceci va se terminer. Alors, comment ceci va se terminer? Parce que ça, c'est le plan. Ça, c'est là. Je vous ai dit qu'on était en phase, dans une phase du plan, où maintenant on accélère les choses. Hein. Comment tout ça va se terminer? Soit ils vont nous mater, c'est-à-dire la police va continuer d'obéir et on va mater les gens, et on leur imposera de toute façon un puçage obligatoire et on leur imposera de se fermer sous peine de prison ferme comme on est en train de faire en France avec les journalistes, avec les humoristes, avec les penseurs. Hein, je ne vais pas répéter Soral, Lyonnaud qui sont systématiquement dans les tribunaux, ils passent leur vie de toute façon dans les tribunaux. Toujours poursuivis par les mêmes, hein, c'est-à-dire ceux qui dictent sa conduite à M. Valls. Entre autres, il n'y a pas que M. Valls, hein, bien sûr, il y a Macron, il y a tout ça derrière. C'est toujours les mêmes qui dirigent. Hein. Et donc, comment ça va se finir? Ça va se finir par le muselage de la dissidence, le muselage de ceux qui contestent, le muselage de l'opposition. Ou alors, si ça part en affrontement et si ça part en quelque chose de beaucoup plus violent qu'actuellement, et plus généralisé, je pense qu'il va y avoir une loi martiale à la fin, hein, où on mettra des gens dans des camps. Les camps FEMA aux États-Unis sont déjà prêts. Vous savez qu'il y a un film qui est sorti, qui est prêt à sortir. Alors, je ne sais pas s'il est sorti ou pas, mais je sais que son réalisateur vient d'être tué, ainsi que toute sa famille. Hein. Donc on ne rigole plus là. C'est-à-dire que là, on arrive dans une phase, et ça ne va pas se jouer dans 20 ans ni 30 ans, ça va se jouer dans les 10 ans à venir. On arrive dans une phase où maintenant le plan s'accélère. Le plan, c'est le plan de mise en esclavage de l'humanité, de l'Occident. Bien entendu, vous avez vu que ce plan comprend également toute la déstructuration, la déstabilisation du Moyen-Orient, des pays islamiques, des pays arabo-musulmans, la prise en otage de tout ce qui est pétrole, gaz et de tous ces pays-là, de toutes les ressources. L'Afrique, on n'en parle même pas parce que l'Afrique, c'est la frise. Elle a été retournée entièrement, c'est le continent le plus riche du monde avec les gens les plus pauvres qui y habitent. Hein. Par contre, toutes les ressources, toutes les richesses d'Afrique, elles partent en Chine, elles partent aux États-Unis, elles partent en Europe. Hein. Et les Africains sont d'une pauvreté absolue, mais ils ont des Kalachnikovs et d'autres armes qu'on leur a vendues aussi, les Français.
Comment voulez-vous que ce monde aille bien? C'est pas possible. Hein? On a aujourd'hui un Poutine qui s'est allié avec la Chine pour faire contre-pouvoir avec les États-Unis maintenant, qui va refuser toute transaction pétrolière en dollars. Ils refusent maintenant, ils vont faire ça avec une monnaie commune avec la Chine. Donc tout ça, ça va déstabiliser les États-Unis, qui ne se laisseront pas faire. Donc ne vous attendez pas. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais tu fais encore le prophète de mauvaise augure. Oui, je suis désolé de vous dire ce que je vois. Hein. Je suis désolé de vous dire ce que je pense. Je pense qu'on arrive dans une phase préparatoire de la prochaine phase, qui sera probablement la phase ultime, ou l'avant-dernière phase ultime, à savoir vraiment le muselage total de personnages comme moi. Vous savez qu'on n'hésite pas aujourd'hui à dire que les gens comme moi profèrent des théories dangereuses. On profère des théories dangereuses, ouais. On ne fait que dire la vérité, dire exactement ce qui se passe. Effectivement, c'est très dangereux. Sauf que ce n'est pas une théorie, c'est ce qui se passe. Et personne ne nous invitera jamais sur un plateau télé, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas nous contrecarrer nos arguments. Hein. Donc, ça me fait rire, doucement, juste, c'est tout, quoi. Aujourd'hui, la télévision est devenue juste un outil de propagande de ce système qui vous vend ce plan-là en vous disant que tous les musulmans sont des coupeurs de tête, en vous disant que tous les juifs sont des bonnes personnes à bénir et que Israël est un pays qui ne veut que le bien du monde, etc. Et blablabla, et blablabla. Alors, par rapport, vous me posez des questions par rapport à mon rêve que j'ai fait et à tout ce qui se passe en ce moment au niveau des centrales nucléaires françaises, belges. Je suis désolé, j'ai fait ce rêve-là, je ne dis pas que ça va arriver, moi je ne suis pas un prophète. Il s'avère simplement qu'il est tout à fait possible, étant donné qu'on se sert des attentats depuis longtemps pour faire avancer ce plan, il est tout à fait possible qu'il se passe quelque chose au niveau d'une centrale nucléaire et qu'on fasse porter le chapeau à Daesh ou à des intégristes, quels qu'ils soient, et qu'à partir de là, on décide de pucer tout le monde. C'est tout à fait possible. Hein. Pour accélérer le plan, ils ont besoin d'actes de terreur. Hein. C'est très important de comprendre ça. C'est avec les actes de terreur qu'on impose des lois derrière, des lois liberticides, et des lois liberticides qui rassurent les gens. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va perdre un peu de liberté, mais au moins on aura de la sécurité. Ce qui est faux. Hein. Vous n'aurez pas plus de sécurité, vous serez plus surveillé. Pas pareil. Donc par rapport à ça, oui, on verra bien. Moi, je vois la noirceur s'abattre de jour en jour et s'étendre de jour en jour sur la France, sur l'Occident, sur les États-Unis. Je sens de jour en jour cette noirceur s'étendre sur le monde. Je sens cette noirceur s'étendre également maintenant sur l'Afrique du Nord. Apparemment, ils veulent déstabiliser aussi l'Algérie et le Maroc, qui pourtant n'emmerdent personne. Parce qu'il y a des ressources à prendre en Algérie, hein. Il y a du gaz, il y a du pétrole. Hein. Au Maroc, je pense qu'il y a également du pétrole sous le sol qui n'est pas pour l'instant exploité, puisqu'ils se battent, vous savez, au niveau du sud Maroc, est-ce que ça appartient à l'Algérie, est-ce que ça appartient pas à l'Algérie, est-ce que ça appartient au Maroc. Il y a du pétrole là-dessous. Pour l'instant, personne n'y touche. Je pense que ça intéresse pas mal de gens au niveau de l'Occident. Donc ils vont vouloir déstabiliser sûrement ces deux pays. Ils ont tout déstabilisé sauf ces deux pays-là. Donc. L'Afrique, elle est déjà sans dessus-dessous. Donc... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous croyez que demain, ça va être l'ère du Verseau, non. L'ère du Verseau est prévue pour 2100, à partir de 2100-2130. Donc, l'ère du Verseau, c'est pas demain matin, c'est après demain matin. Hein. Et après demain matin, il va se passer des choses. Et pour qu'on arrive à une ère du Verseau, c'est-à-dire une ère de fraternité, une ère de partage, une ère de communauté fraternelle, qui nous est promise depuis longtemps, avec cette arrivée du rayon 7 dont je vous ai déjà parlé, ce retrait du rayon 6 qui est aujourd'hui en train de faire des remous partout dans le monde, il va se passer des choses. Et les forces de l'ombre, les forces matérialistes sont justement là pour ça, pour faire une nouvelle omelette en cassant des œufs. Et on va casser les œufs. Et nous, on est en train de vivre cette période. Quand je dis on va casser les œufs, je ne parle pas de moi, hein. Je parle de ce qui se passe là. Hein. Ils vont vouloir casser tous les œufs, hein. C'est-à-dire tous les ordres établis depuis des siècles qui empêchent les gens d'avancer. C'est-à-dire les gens qui suivent un livre qui a été écrit il y a 1400 ans, par exemple, je parle des musulmans, ils vont vouloir tout casser. Les seuls dont on ne doit pas vouloir casser le livre qui est écrit depuis longtemps, ça va être toujours les mêmes. Ça, je vous laisse réfléchir à ça.
Quant à l'arrivée d'un nouveau Messie, tant qu'il n'y aura pas de stabilisation et de paix sur cette planète, il n'y aura pas de nouveau Messie. Pour personne. Ça ne sera pas le Messie, en tout cas. Voilà, s'il y a quelqu'un qui arrive. Ensuite, vous me posez des questions par rapport à la Terre plate. Est-ce que la Terre est plate? Alors, franchement, moi je suis atterré par cette question, parce que c'est une stupidité sans nom que cette espèce de rumeur fasse le buzz sur Internet. Comment voulez-vous que la Terre soit plate? Est-ce que vous savez que Galilée et que des gens ont failli se faire buter pour avoir démontré par A plus B que la Terre était ronde et qu'elle tournait? Est-ce que vous avez déjà pris une paire de jumelles? Est-ce que vous avez déjà pris un télescope? Est-ce que vous avez déjà observé Saturne, Jupiter? Est-ce que vous avez déjà observé la Lune? Le Soleil? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plats? Est-ce que vous ne croyez pas que la Terre fait partie du cosmos, qu'elle fait partie du système solaire, qu'elle est elle-même une planète autour de laquelle gravite la Lune qui est ronde, on le voit très très bien avec une paire de jumelles? Comment est-ce que vous pouvez croire que la Terre est plate? Est-ce que vous avez déjà fait un petit peu de navigation? Est-ce que vous avez déjà pris un bateau? Et est-ce que vous avez déjà tracé un cap? Est-ce que vous avez déjà fait un petit peu de longue distance en bateau? Et bien, si vous n'en avez jamais fait, faites-le. Vous verrez qu'il faut calculer les déclinaisons, parce que justement la Terre est ronde et qu'on ne peut pas faire un tracé rectiligne sur une carte en 2D, alors que justement la Terre est ronde, automatiquement décline. C'est une absurdité sans nom, et de poser la question est également une absurdité sans nom. Qu'un enfant de 5 ans me pose la question, à la limite je comprendrais, mais vous êtes adulte, aujourd'hui vous avez Internet, vous pouvez vous renseigner quand même. La Terre n'est pas plate. Donc, je ne sais pas, me poser ce genre de questions, franchement ça me fait m'interroger. Je comprends pourquoi il y a cette élite-là qui nous dirige. Je comprends pourquoi les gens ne sont toujours pas dans la rue, et je comprends pourquoi on a toujours tous un compte en banque, et pourquoi on continue de payer des impôts pour ces voleurs. C'est terrible, quoi. Alors, il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait pas Internet, donc que les gens ne soient pas au courant à cette époque-là de toutes les magouilles qu'on était en train de faire dans leur dos, et de ce que Giscard faisait passer comme loi contre la France en faisant passer cette loi Rothschild qui nous a complètement ruinés en 40 ans, je comprends. Mais aujourd'hui, il y a Internet. Si on arrête de regarder les informations, moi j'ai plus la télé, hein. Si on arrête de regarder les informations à la télé, qu'on regarde Internet et qu'on s'instruit un peu, même sur Wikipédia, hein, y a mieux que Wikipédia, mais c'est déjà bien. Vous allez quand même... Oh. Vous savez que la qualité des réponses que vous obtiendrez dans votre vie correspond... est en relation avec la qualité des questions que vous vous posez. Donc si vous ne vous posez pas de questions, c'est sûr que vous n'aurez jamais de réponse. Hein. Mais comme disait Jacques Brel, le manque de curiosité, c'est de la paresse intellectuelle. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Et aujourd'hui, vu les temps que nous sommes en train de traverser, je pense qu'on n'a plus le droit d'être paresseux intellectuellement, on n'a plus le droit de ne pas être curieux, et de savoir ce qui se passe réellement. Parce que si les gens n'ont pas encore compris que les Daesh, qui sont effectivement des fanatiques religieux, hein, je ne dis pas l'inverse, sont quand même utilisés, manipulés à des fins qui sont les fins de la CIA et les fins d'Israël, hein, si vous n'avez pas compris ça, les rebelles, etc., qui sont armés, utilisés par l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui sont eux-mêmes des agents et qui sont eux-mêmes des correspondants des États-Unis, si vous n'avez pas compris ça... Hein, que Ben Laden est toujours vivant, paraît-il, d'après Snowden. Vous savez qu'il y a quand même un mec qui bossait au NSA, hein, et qui a quand même risqué sa vie en nous balançant toutes les informations classées top secret. Quand même. Aujourd'hui, ce mec-là, il est quand même en danger de mort, et il est gardé par les Russes, parce que si, dès qu'il arrive aux États-Unis, on le met directement à Guantanamo. Bon, qu'est-ce qu'il nous a livré? Il vient de nous dire que Ben Laden était toujours vivant. Hein. Voilà. Bon, si vous ne comprenez pas ça, si vous ne faites pas attention à tout ça et que vous n'y intéressez pas, ben, il ne faudra pas s'étonner de vous réveiller un matin avec dans une dictature totale, d'être des esclaves, en fait. Hein, voilà. Donc, vous allez me dire, mais tu te répètes, je me répète, parce qu'on est en train de continuer exactement le même travail. Je vois des gens dans la rue qui sont des casseurs, qui ne cherchent à rien faire d'autre que de foutre ce qu'on appelle communément le bordel, mais il ne se passe rien. Je vois pas d'attroupement devant l'Elysée, je vois pas d'attroupement devant l'Assemblée, je vois pas d'attroupement devant Matignon. Il y a eu quelques personnes devant la demeure de Manuel Valls, mais bon, c'est pas des mouvements. Il devrait y avoir des millions de personnes dans les rues à l'heure actuelle, des millions. Toute la France devrait être dans la rue et bloquer tout ce système et demander la démission de ce gouvernement et demander
la réécriture d'une nouvelle constitution. Ce n'est pas la peine de recommencer à zéro avec un autre parti politique. Tous les partis politiques sont vendus, tous. Voilà. Donc, on attend les prochaines présidentielles. Je pense que ce sera Juppé qui va être mis en place, ou Macron, de toute façon. Ça sera des agents du système, Macron qui vient de Rothschild et qui vient de Bilderberg, et Juppé qui vient d'être convoqué au Bilderberg. Donc de toute façon, le système veut que ce soit l'un ou l'autre, l'un pour la gauche, l'autre pour la droite. Sachez que c'est ni gauche ni droite, c'est la même chose, hein. Tout ça c'est des noms de façade qui feront encore front contre le FN, qui malgré tout reste encore un parti d'opposition, malgré qu'ils essayent de pactiser quand même un petit peu. Voilà. Donc, on en sera encore là, mais ça ne va pas avancer, ça ne va pas bouger. Si c'est encore la gauche ou la droite qui dirige l'année prochaine, eh bien vous aurez une accélération, une application du plan. Et ce plan est actuellement satanique, démoniaque. C'est le nouvel ordre mondial dictatorial qui aura lieu bien avant le nouvel ordre mondial de l'ère du Verseau fraternel, bien avant. Si on veut éviter de se retrouver un matin fliqué, complètement surveillé, sous menace permanente de surveillance, à mon avis, on ne pourra pas éviter, je ne veux pas être pessimiste, mais je ne vois pas comment maintenant on pourrait éviter ce type d'ordre-là. Il n'y a pas d'éveil suffisamment massif. Il faudrait vraiment que les gens se réveillent, mais malheureusement, il n'y a rien à faire. Il aurait fallu descendre dans la rue déjà il y a longtemps. On va voir, on verra. Est-ce que la France est encore sauvable? Peut-être. Possible. Voilà, de temps en temps, j'ai envie de prendre l'avion, j'ai envie de revenir. Je me dis que s'il y a 10 000 personnes qui me suivent, je reviendrai. Mais il n'y a pas 10 000 personnes qui me suivent. Et de toute façon, 10 000 personnes, ça ne sera pas suffisant. Il faudrait qu'on soit 10 millions. Malheureusement, voilà. Écoutez, bonne chance à tous. Je ferai une autre vidéo bientôt sur l'actualité, parce que pour l'instant, il ne se passe rien de nouveau, vraiment. Et je vais en faire une autre sur des sujets un peu plus spirituels. Hein. À bientôt, merci.